Salutations à tous, salut! Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir. Boum, 32 de fil pour CBE. Allez, on va se mettre en file. Et on verra bien ce qui se passe. Par contre, regardons les cartes. Oh, on a la crypte là. Oh, on a rempart stoïque là. Et on a un tag ici. Bah, on va aller le rejoindre, tiens. Allez, voilà, on va pas chercher 36 trucs différents. Bouffe céleste, 41 minutes, très bien, on va garder ça parfait. En fléau, comme vous pouvez le voir. Ah, j'adore ce build, j'ai trouvé relativement récemment. À chaque fois, ça passe très bien avec, je l'ai fait pour le PvE à la base, mais il marche tellement bien dans tous les modes de jeu. Dans tous les modes de jeu. Il marche tellement bien en MCM aussi. Évidemment, pas essayer en PvP, parce que le PvP, c'est un autre délire, c'est un quoi? Allez, envoûteur, voyons voir ce qu'on peut faire. Ah, il s'en va. Il a la mobilité. Ouais, pas de mobilité en fléau, hein, évidemment. Bon, bah, c'est bien, ça lance direct les hostilités là. Et même si c'est un bronze, j'aime pas trop aller chercher les envoûtes en 1v1, mais voilà, c'est dire la confiance que j'ai dans le build. Et ça se passait plutôt pas mal. Il était bas Condi, comme la plupart des mirages. Et le build est très bien contre les builds Condi. Condi, altération, hein, c'est pareil. Ok, on va passer à l'intérieur, c'est plus safe. Ah, j'aurais peut-être dû faire les sanctuaires, tiens. Parce que les sanctuaires de feu. C'est pas cool qu'ils aient les trois. On va les faire celui du nord. Quand on a les trois, ça donne un bonus qui permet de se déplacer plus vite. Sur la map, littéralement de se TP quasiment d'un sanctuaire à l'autre. Voilà, on va au moins essayer de casser ça. Une personne qui intervient. Très bien. Allez, venez là les cocos. Et je ne veux pas dire par là qu'ils sont communistes. Hein. Alors maintenant le gros morceau. Ouais, c'est du céleste, hein, c'est pas du full DPS. C'est très bien équilibré. En plus, ils prennent pas la brûlure, qui est une des sources de dégâts du build. Voilà, on va casser la chaîne. Le lead là-haut vient de... Ah, j'allais dire vient de caper Academy, mais pas du tout. C'était capé il y a plus de 5 minutes. J'ai l'impression qu'il l'a défendu. Ou qu'il est en train de le défendre. Hop, go. Alors, je rachète de la bouffe. Ah, voyons voir. Eh ben, les rouges, oui, alors c'est la map du désert, donc c'est forcément les rouges, mais j'ai quand même dû regarder pour m'en assurer. Parce que là, ouais, le rempart, le vert, il fait plaisir, mais alors tellement. Ok, le tag là. Pas trop qu'il campe la sortie du spawn. Là, c'est pas contest. Là, il reste 3,40, donc on va pas y aller. Ok, on va se rapprocher du tag. Je sais pas combien ils sont. Je suis surpris que les rouges défendent pas à ce point-là, quoi. Ah, ils sont un petit nombre quand même, là, le bus. Ok. Ah, un petit nombre, ouais, ils sont même pas une dizaine. 1, 2, 3, 4. Ah, ils sont 10.
On va se taper un petit peu l'incruste. Pendant qu'elle est en fil pour ses bébés. Voilà, 29 de fil. Lol. C'est un petit peu beaucoup. Ok, elle n'a pas deux de la même guilde. Ok. Repérer, non, c'est bon, plus maintenant. Alors là, le problème, c'est qu'effectivement, il reste 2,30, 2,20. Oh, on a l'autre côté aussi. Ah, on n'a pas palais. Ouais, il reste plus grand-chose à faire sur la map en fait. Tant qu'il n'y a pas d'opposition. Ou lui là-bas. Ouais, il s'est TP. Non, il y a un envoûte qui s'en va. Donc lui, on peut pas le caper. Est-ce qu'il y a des dodos? Non, pas de dodo. Pas pour le moment. Alors, lac vert 30 plus IA. Ouh, ah oui, sur la map bleue, les bleus, bah voilà, défendre. Oh, c'est compliqué sur ces BE apparemment. Bon, là, on est très bien sur la home. Évidemment, très bien ici. Lac vert est T2. On pourrait aller voir, hein, lac vert, s'ils sont 30 plus. Ah, super risqué. Mais ce sera toujours mieux que de rester à poireauter ici, à rien faire. On va aller voir là-bas. 30 plus, je sens que ça va être un problème. Pour ça que j'ai pas rejoint le lead, c'est que je voulais me garder la liberté de bouger. Alors, il y a une croix. Ah, la croix est à l'intérieur, donc c'est ouvert. Oh la vache. Ouais, ils sont au lord. Ils sont partout. On est visiblement clairement pas assez nombreux pour les arrêter là. Malgré le fait qu'il y ait une croix. Ils se sont même séparés en deux groupes. Un groupe qui garde et un groupe qui cap. Ouais, ce qui montre que le rapport des forces en présence n'est pas à notre avantage. Faut faire gaffe à pas genre rentrer et se retrouver coincé à l'intérieur. Ça cap pas encore. Alors, si on est ça comme allié, c'est pas assez. Ça, c'est sûr. Il y a eu un plus de vert. Alors, est-ce que ça redescend? Non, là, ceux qui montent se font écharper. Oui, d'accord. On peut pas monter. Même si je réussis à monter, c'est pour faire quoi? Je veux dire, je serai tout seul. Voilà, il y a un groupe qui garde les escaliers. Un groupe qui cap. Ah, il y en a qui montent là chez les alliés. Voilà, malheureusement, c'est capé. L'effort collectif aurait été trop tardif. Ah, son lead est moins nombreux. Donc moins organisé et moins nombreux. En général, c'est non. Vendravit, donc ça c'est bon. Très compliqué. En 3,23, je vais
Retournez sur la map du désert et allez voir le camp du sud. On va voir ce qu'on peut y faire. Ah, et tant que j'y suis. Acheter davantage au comptoir, une petite cinquantaine. Allez hop, merci. Hop là. Merci. Ah, j'avais 57 PO qui m'attendaient, très bien. J'en profite pour vérifier entre les deux bouffes. Alors, dégâts par altération, 3% de la précision, 8% d'expertise. Et là, 3% de la puissance, 3% de la précision. Ok. Donc, non, il vaut mieux celle-là pour moi. Bon, bah, c'est pas grave, j'en ai une qui est lancée, on va pas la gâcher. Ça, c'est vraiment pour les builds full dégâts. Là, je suis en Céleste, donc expertise, j'en ai pas mal. Et donc, l'autre est pas mal. Enfin, elle est mieux, quoi. Alors, il reste un peu de timer. 2 minutes. Il y a un dodo à intercepter. Ah, vous le voyez qui est en train de partir vers le haut là. Il y a la sentie et le dodo. On va essayer de choper les deux en même temps. Ah, trop loin. Ok, parfait. Secondes. Il reste un dodo à faire en attendant. Ah, j'allais dire, je ne vois plus le tag sur la map, mais si, il est là et il est en train de s'en prendre à Palais, qui est un petit peu la dernière chose qui reste. Donc c'est bien, je complète ce que eux ils font, ils ont pas besoin de moi là-bas. Je voulais pas gros les PNJ, c'est pas grave. Alors le Lord est là. Ah, l'allié il veut les caper là. Ouais, il avait raison. Ça aurait été mieux que je fasse comme lui. Ouais, trop loin. Parfait. Rôdeur Vanilla. Le signe de la chasse. Il est rarement utilisé. Il est beaucoup utilisé par les débutants parce qu'il permet de courir plus vite. Et accessoirement, il est aussi potentiellement utilisé par les joueurs qui sont très très forts. Parce que quand on l'active, ça rend les attaques imbloquables. Alors c'est soit pendant une durée très courte, genre 2 secondes, soit un nombre d'attaques. Ouh, les rouges ont repris. Là, j'ai l'impression. Voilà, ils vont là-haut. Il y a des rouges aussi. Ah. Aka est pas conteste. Surprend un peu.
Alors, est-ce qu'il va faire les ruines? Très bien. Je vais les faire de l'autre côté. On va déjà refresh celui-là. Et remonter ensuite. J'espère qu'il va faire les autres derrière, parce que sinon ça sert à rien. Ouh, apparemment il n'y a pas de commandant sur CBE malgré le fait qu'il y ait une file de 36. Oh là, j'en suis à la moitié de la file. Ça c'est pas cool. Salut Darkonic, coucou à toi. Ouais, comme tu vois, moitié de la file pour CBE. La situation est assez étrange là. Ah, 15 bleus au sud de Bay. Il faudrait que j'y aille. Je pense que sur Home, il n'y a pas grand monde. Est-ce qu'on a le TP sur rempart sur Home? Oui, très bien. Ouais, je vais y aller. Tant pis pour les ruines. Bon après, si je vais sur ce BE en fonction de la façon dont ça se passe, j'y resterai peut-être pas forcément des masses. Alors, elle peut payer un à 10%. Ok. Tag caché sûrement. Bah, j'espère. Ceci dit, quand on voit l'état de la map, on n'est pas... c'est pas foufou. Hein. Ah, voilà. Si, ça a un petit... Oh, si, pardon. Il y a eu deux camps. Ouais, mais ça, c'est des trucs de roamers, ça. La dernière fois que j'avais regardé, on n'avait même pas tout notre tir. Là, ça va. J'espère que c'est un tag caché, vraiment. Shada P1 open aussi, la vache, on est en train de perdre les deux en même temps. Alors par contre, il le met pas sur le bon chan le gars. Ah mais je suis con, je dis le mets pas sur le bon chan, je vais le faire et je le mets pas sur le bon chan. Ouais, je crois que notre tag qui était sur la map rouge, il est temps qu'il revienne. Alors. Ok, ici c'est bon, on va aller vite sur colline. Ah, j'ai fini des cotilles apparemment. Ah putain, ils sont au Lord. Ouais, ben je vois que deux signaux d'alliés. Je sais pas combien ils sont là. Mais si on est trois, je pense que c'est un problème. Ouh, les alliés rentrent quand même.
coup, c'est bon. Ok. Ah, je viens de réaliser que ça m'égide, donc c'est pas mal pour les coups de grâce. Ouais, alors pour le moment ça va, on arrive à défendre. Par contre, c'est un petit peu juste, hein. On va pas se le cacher. J'aime bien le. On y va à demi-tour. Par contre, ils font vraiment demi-tour? Voilà, pour le moment. Bon, ils sont que deux là, hein, donc ça va. Oh, il veut y aller l'allié. Pas forcément tort. Sniper bronze. LM bronze. Bon, bah là, ça va. Tu dis, ouais, sûrement un Takeshi, vu qu'il y a un VOC de 45 sur RA. Ah oui, donc là, ça laisse assez peu de place au doute, effectivement. Ok, 3, 4. 4 rouges à nouveau. Les deux autres, on est sur du quoi? Débutant Mirage. Ouais, je prends Chéro là. Alors je mets Chéro aussi, mais je prends Chéro. Ah non. Pas trop le choix. Vous pouvez juger du niveau de confiance que j'ai dans le build quand je vois que je suis ciblé par un sniper et que je change pas ma façon de jouer. Ce qui, dans la plupart des autres circonstances, est complètement suicidaire. Ok, alors lui, il scoute. Alors, est-ce qu'ils vont revenir? Ah, et un rouge là-bas qui revient. Il a de quoi enlever les condis. Oui. Ouh, il est pas passé loin. Alors, combien pour les fils? 6, très bien. T'es en fil pour CB aussi, Darkonic? Ah bah attends, je suis con. Non, je peux pas voir si t'es en fil. Mais je peux voir où t'es. Ah ouais, Oasis de Cristal, ok.
Hop, 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 on ne tombe pas. Ok, ouais, le camp, ça me paraît être une bonne idée. Il y a trois alliés qui vont. Non, il y a pas. Non, le camp, on l'a, je suis con, c'est la tour. Ouais, non, le TP, ça ne marche pas. Je vais passer par l'autre côté. Alors, est-ce qu'on a des alliés qui posent quelque chose? Est-ce que j'ai du bélier en place là? Ah, j'ai de la cata, pas de bélier. Voilà, lui il a pris Chéreau. Bah, si je suis tout seul, non, je vais pas mettre d'armes de siège. On va aller prendre du ravite. Allez, les gars, faut qu'on aille prendre la tour. On peut totalement se les faire. Alors encore un bronze. Ouais, pour le coup, on a des joueurs pas forcément très expérimentés en face. En général, quand je dis ça, c'est là où il y a un légende de diamant qui arrive. Hein. Un craft légendaire et gommanger ensuite. Ça, et ensuite, t'arrives. Ça marche. D'avance, bonne app. Les alliés font le tour. Ok, on va les voir. Siphon. Ouh, le 12 de saignement là. Qu'est-ce qui tire là? Alors ça c'est pas courant. Ah bah ils veulent la baston, moi je suis pas contre hein. Non non cher ami, ça ne marchera pas. Mais ils ont pas marre de se faire farmer sans déconner? Ah, c'est pas cool. Ah non, ça va pas durer si longtemps que ça. Les alliés là, ça va. Ce serait bien d'attaquer parce que ça les maintiendrait ici. Si on va faire un truc plus loin, ils peuvent retenter en colline. Allez, viens vers moi, toi. Ok.
Allez, un élème sans boune. C'est plus un élème. Ah, je l'ai pas joué au bon endroit. Ah, la fin de la file d'attente. Qui arrive au meilleur moment comme d'hab? Sans déconner. Il a genre déco le mec. Il a vu que là ça allait être plus compliqué, et il est parti. Tu dis pourquoi tu te bases sur les titres de rang, légende de diamant, etc. Parce qu'en général ça, alors c'est ça peut être trompeur, mais en général ça reflète l'expérience que quelqu'un a du mode de jeu et donc des builds qui vont avec. Ceci étant dit, parfois il y a des joueurs PVP donc d'arène qui peuvent se dire tiens aujourd'hui allez je vais faire du MCM, yakuzinage avec l'arène, je sais pas, j'ai pas envie de lancer une 12 000e partie d'arène, donc voilà je vais me balader. Et du coup le gars il est pas ranké du tout MCM, mais il est quand même hyper expérimenté en 1v1 ou dans les petites escarmouches ou bref il est expérimenté dans tout ce qui ressemble un petit peu à de l'arène. Il sera moins expérimenté en bus, mais tous les petits duels à moins de 55, il saura totalement y faire. Mais en général, ça c'est assez rare. Et on va avoir tendance à se retrouver avec. En général, quelqu'un qui est même pas encore bronze, il peut avoir tendance à utiliser par exemple un build de PvE en MCM. Ce qui en général, pas toujours, la preuve, ce que j'utilise là c'est aussi un build PvE. Mais en général, ça veut dire qu'il va se faire coucher en 3 secondes. Et là, ouais, non, en général c'est assez fiable. Hein. Et autant c'est pas forcément fiable pour quelqu'un qui a pas beaucoup, qui a pas un titre très élevé, autant pour quelqu'un qui a un titre très élevé, genre quelqu'un qui est légende de diamant, il sera jamais mauvais, il sera toujours pénible, même s'il joue un build qu'il n'a pas l'habitude de jouer. Parce qu'il connaît tellement bien le mode de jeu, il connaît tellement bien les builds des adversaires aussi, que voilà, il saura quand faut arrêter d'attaquer pour se replier, ce genre de choses. C'est une indication assez fiable. Encore une fois, pas à 100%, mais en règle générale, oui. Ceux qui sont ce qu'ont un rang bas, mais qui sont très bons quand même, en général, on le voit à leur comportement, à leur façon de bouger. Alors là, c'est contest, mais par qui et pourquoi? Là, le signal est en dehors. Bah, décidément. J'irais bien recharger la force vitale aussi. T'as des légendes de diamants qui sont nulles à yèche. Si t'as fait que du bus, t'arriveras à rien en 1v1. Alors, légende de diamants, ça veut dire que le gars, il a tellement joué au jeu qu'il n'a pas fait que du bus. Franchement. Légendes de diamants, c'est vraiment des gars qui ont joué H24 depuis la sortie du jeu. Je caricature un petit peu, mais c'est pas loin d'être ça. Faut se rendre compte que le Légende de Diamant, c'est un peu plus du double de l'expérience que j'ai. Alors que je suis quoi? Je suis quelque chose Mithril. Suis soldat de Mithril. Voilà, 4870, le rang max c'est 10 000. Une Légende de Diamant, c'est quelqu'un qui a le double de mon expérience. Qui a deux fois plus de. Alors, de temps de jeu, pas forcément, parce que ça dépend comment il a fait ses points. Mais quelqu'un qui a fait que du bus sur autant de milliers d'heures de jeu. Ça peut être un peu rare. Après, voilà, comme je disais, c'est pas fiable à 100% non plus. Allez, allez, on se prend pas dans la lampe, merci. Ok, là.
Là, par exemple, le fracasseur platine, il me faisait beaucoup plus peur que le sniper bronze de tout à l'heure. Alors, il y a une croix là, on va aller voir. Il y a des chances que ce soit de notre bus. Qui s'en prennent à Valais. Lui, on va se le faire aussi au passage pour essayer de charger la force vitale. Ah bah non, le voilà, le voleur platine en l'occurrence. Ah, il joue bien, le petit coquin. Il joue très très bien, il connaît parfaitement sa classe. Bien joué la peur qui m'a remise. Ah, il y a eu match, mais il s'en tire super bien. Ouais, il fait bien de faire le kill. Faudrait tellement que j'apprenne à jouer ce build un jour quand même. Coco Style L, tu dis, j'ai 2 ans de jeu, je suis rank 6K, t'as pas eu besoin de jouer 10 ans pour être rank 10K. Ensuite en roaming, je suis sur fissure du malheur. Et personne en roam, suivant les serveurs, les hauts ranks sont bien rincés, on les éclate. Ah, j'imagine que ça dépend aussi, ouais, de l'opposition. Après, Fissure, c'est particulier comme serveur. C'est vraiment particulier. Pour le coup, oui, les sparring partners que vous avez, parce que c'est rarement des adversaires, hein, c'est plus des sparring partners quand on est sur Fissure, sont d'un niveau plus élevé que la moyenne, on va dire. Ok. Après, faire du point sur Fissure, j'irai pas jusqu'à dire que c'est facile, mais vu que c'est le serveur qui roule sur tous les autres, pour le coup, ça monte plus vite. Voilà, je pense que c'est fair play de dire que ça monte plus vite que sur les autres serveurs. Cross. Oui, alors oui, la croix là, on l'a vu. Pourquoi c'est qu'on teste? Il y a un allié qui est là. Oh, ton tête s'infiltre à nouveau. Alors là, pour le coup, évidemment. Ah, on va arriver, il y aura au moins la P2 de fermée là. Puis on n'est même pas sûr que ce soit notre bus, vu qu'il est en tag caché. On va aller voir. Et pour le coup, roaming en fléau. Hein. Si je me fais désarçonner, c'est combat sans possibilité de s'enfuir. Ok, regardons où on va. Le camp, il n'est pas contest, très bien. Que je passe en augure pour avoir plus de mobilité. Donc c'est pas non plus exceptionnel. Alors on était là. La croix était là tout à l'heure. Je pense qu'on est rentré par là. Et ça doit être complètement fermé. Ouais, je pense que je pars sur un projet un peu con là, faudrait que je fasse demi-tour. Alors lui va me désarçonner, non? Non? Ah oui, il est juste parti. Ok, 97, 57, donc ça doit être rentré par là. C'est pas garanti, mais la croix était là tout à l'heure. Elle y est toujours la croix, non? Ouais, totalement. Alors on va pas croiser des masses de bleus, je pense, dehors, parce qu'ils doivent tous être se défendre à l'intérieur de Valais. Là, il y a du petit duel en face. Ok. C'est bon les gars, vous le prenez? Salut. Ah, c'est tout à l'heure. Ah, mais il est encore en train de. Non, il va remonter, je suis con d'être descendu. Évidemment qu'il va remonter.
Avec quoi il bloque? Ah oui, avec... ok, je vois avec quelle compétence. Ah, c'est la revanche de tout à l'heure. Ouais, ou pas. Que clairement, sur du 1v1, il est plus préparé Quam. Ah, un LM. Ah, on a capé! Eh ben, bien joué au lead. Il est passé où? Ah, il est là-bas. Voilà, très bien. J'aime bien comment le treb était tourné vers l'intérieur. Ce qui est pas con, hein, celui qui a eu le réflexe de y aller. Parce qu'à mon avis, il était tourné pourquoi? Pour ça et défendre un spot 4 à là-bas, peut-être? Il a pu être bien pénible avec son treb sur le lord. Alors, reposer de la bouffe, oui. On va essayer de le faire. Intérieur de BP. J'aime pas popper de la bouffe en extérieur. Ok. On va squatter un petit peu le bus. Hop là. Voilà. Très bien. Alors je me monte pas trop. Ok. Quand on voit évidemment qu'ils se regroupent devant la porte comme ça, c'est peut-être qu'ils veulent sortir pour impacter un truc, mais non. Magnifique! Je sais pas si vous avez vu, ça a up. Et ça m'a littéralement up. Ça m'a TP en haut. Original. Bon, au moins ça m'a pas coincé dans le mur. Moi qui voulais pas me montrer, bon, heureusement, c'est sans conséquence. C'est bien, BPT2. Ouais, on voit que c'est plus le même match-up. Hein. Justement, Fission, on était contre vous la semaine dernière. Ah, flemme, hein. Ah, vous avez eu BPT3 toute la semaine. Et je pense que j'exagère à peine en disant ça. Franchement. C'est du genre, quand on joue contre vous, quand on joue contre Fissure, on sait qu'on va jouer que sur une map, en fait. Qu'on est obligé de lâcher toutes les autres. Parce que si on veut être à nombre égal sur au moins une map, bah, faut pas qu'on disperse. Et les troisièmes, je sais plus qui c'était. Ah mais non, c'était il y a 2 semaines. Un troisième camp qui lui en plus avait... c'était l'inverse, eux... Enfin pas l'inverse, c'était encore pire, eux ils avaient carrément lâché l'affaire. Eux, il n'y avait plus personne de chez eux qui venait en MCM pendant la semaine quand vous étiez en face. Ok, est-ce qu'il tente quelque chose? Regardons où on pourrait aller. Anza. Je vais prendre la sentie. Si le bus va là, ce sera toujours bien que la sentie ait été des pop. Ouh, un sniper.
Ah, bien joué le TP. Ah, j'aurais dû jouer sur moi, ça. Je suis un peu con. Non, par contre, on va pas lui donner le gratos non plus. Ah là là, les folleurs en roaming. Bah, c'est bien, ça entraîne. J'hésitais à jouer sniper, tiens, aujourd'hui. Ça, c'est un build qui est très bien en 1v1 contre tous ceux qui sont basés sur des boons, évidemment. Hein. Tous ceux qui sont basés sur des condis aussi, vu que ça en enlève masse. Ah, les voleurs, c'est autre chose. On va voir si on peut le retrouver. J'aurais dû utiliser le F1 plus défensivement. Quelque chose de contest? Non, ni Hanza ni Gardogre. Ok, la sentie a disparu, c'est déjà ça. Quand même passer là. Alors le groupe est encore en train de poireauter devant la porte. J'ai bien fait de pas attendre avec eux. On va retourner voir si on peut retrouver le sniper. Ouais, je pars pas favori, mais c'est pas grave. Ok, je vais faire l'autre sentie, comme ça si le bus part chez les rouges. Garderons l'effet de surprise plus longtemps. Ah, ils sont là, ils vont où? Bah, ils vont du côté de Gardogre. Impeccable. Bon, par contre, ils vont quand même vite être scoutés parce qu'il y a du monde sur Gardogre. Oh, un ou deux. Un. Ah oui, puis voleur, ok. Mais non, pas sur lui. Ah bah oui, tout seul, ça aurait été trop compliqué. Tra, cette stun en boucle. Ah bah oui, hein. Aucune chance contre deux. Ah là là. Allez, c'est pas les mêmes rangs que tout à l'heure et c'est pas les mêmes skills. Hein. Ok, Lac Rouge, Colin Shadaran, Inc. Ça part pour nous. Comme je disais, on va essayer de squatter le bus. Quand j'ai vu qu'il partait vers Gardog, j'aurais dû les rejoindre. Ok. Alors la croix. Oh non, d'accord, évidemment c'est logique. Ouais, l'ambition normale après Valet, il tente Belvédère. Il me reste combien? Ah non, on va garder ça. Ok, on va suivre l'allié, on va voir ce qui se passe. J'aime pas me balader avec la force vitale vide, mais c'est pas grave.
C'est quand même une grosse différence. Elle préfère passer par là. Allez, pourquoi pas. L'allié, là, ça va. Ouais, ça va. Est-ce qu'on veut l'aider? Oh. Là, il veut pas poursuivre son AV1. Regarde, il a bougé. Ouais, il a bougé le groupe. Ok. Ça tarde pas par ici. On va aller faire le tour. Ah. Est-ce que ça veut désarçonner là? Enfin quoi? Passe devant. Tiens. Qu'est-ce qu'il est bien le perk où quand on reçoit du soin c'est transformé en barrière? Ok, merci la stab. Alors, c'est toujours un pari de s'engager dans ces couloirs-là. Si c'est pour les attendre et ressortir derrière, ouais, totalement. Voilà. C'est pour les regrouper en quelque sorte. Allez, go. Ça va se jouer à la stab. C'est bon. Ok, j'ai cru voir effectivement pas mal de bleu aussi au passage. Est-ce qu'on descend? Oui. Faudrait que je trouve le lead. J'ai pas envie de m'éloigner, mais en même temps j'ai envie d'aller chercher un peu du monde. Voilà, dès que je m'éloigne un tout petit peu, c'est sûr, on sait les problèmes. Ah là, bah, quand je disais que ça se réglerait à la stab, à la stun, hein. Ah, pas eu le temps le F3.
Ok, j'aimerais tellement que le groupe soit ouvert. Tellement qu'on teste en boucle là. Combien de dodos? Une soixantaine là au moins. Ouais voilà, 64. Je réfléchis un petit peu aussi à ce que je pourrais prendre. Parce que je fais pas vraiment du build l'usage idéal. Bon, déjà, roaming en fléau, voilà quoi. Qu'est-ce que je pourrais prendre qui se prêterait plus aux circonstances? Alors, en nécro, pas grand-chose. Bon, roaming, il y a l'augure. Évidemment. Ok, les vers, les ogres. Je crois que je limite je pourrais changer de map et trouver voilà un groupe qui soit ouvert. Bon là home, il y a zéro en jeu. Pff, la map bleue, on les ravage. La map rouge, on a notre côté, c'est pas mal. Ok, équipe. Toujours un tag multimap qui tourne? Point d'interrogation. Ah bah pas de réponse. Il y a quelqu'un qui avait annoncé le. Alors, Squall Lyon. Normalement, il y a Squall. Ok, on va essayer de rejoindre. Ouh, oui. Non. Alors. Donc, map bleue. Très bien. Ouais, bah ça valait pas le coup de faire toute la file pour ça. Hein. T'es dit pourquoi tu vas pas sur le Discord pour les rejoindre? Bah parce que en stream, je trouve ça un peu relou. C'est-à-dire que à la fois, alors c'est pas probablement parler une discussion avec le chat, mais quand même, enfin pas dans le sens vocal dans les deux sens. Si j'étais hors stream, oui, je pourrais aller sur le Discord. Là, je préfère être avec vous qu'avec eux, et surtout que ça voudrait dire qu'il faudrait que je coupe le son du Discord sur le stream, parce que je veux pas que à n'importe quel moment n'importe qui puisse dire n'importe quelle grossièreté ou chose horrible. Si tu veux qu'il puisse alors bon, me faire ban, non peut-être pas, mais ne serait-ce que pour la qualité du programme, on va dire. Donc ça veut dire que si moi je dois entendre le Discord et que vous l'entendez pas, je vais avoir un petit peu, vous savez, quand on est à côté de quelqu'un qui a une discussion au téléphone et que nous on a que la moitié de la conversation. C'est juste insupportable en fait. Donc ce serait insupportable pour tout le monde.
Ça se prête vraiment mal au fait de streamer en même temps. Il y a des façons de faire ça qui seraient pas forcément abominables, mais ça veut dire voilà prendre le risque d'avoir des propos intempestifs et outranciers là où je souhaite pas qu'il y en ait. C'est pour ça que même quand on joue en guilde, on joue pas via Discord. Le reste de la guilde peut être via Discord, mais quand je stream, pas WAM. Voilà, il est à l'autre bout de la map. Il va filer vers où? Que je sache par où passer, moi. Il va vers quel côté? On est vers... Ah oui, mais on a garni. Ok. Bah, décidément. Voilà, on va nettement plus être à notre place dans le groupe. Je pense que ça, c'est la cible naturelle, hein, repère de l'aube. Où va-t-il? Voilà, il redescend par là, à mon avis, c'est vers repère. Non, parce que, très franchement, quand je regarde un stream de quelqu'un qui est sur Discord en même temps, alors, c'est peut-être un réflexe de ma formation de journaliste, mais une phrase sur deux d'une personne sur le Discord, je vais être là, ah oh, mais dis pas ça à l'antenne, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ou alors, il y a toujours quelqu'un, je sais pas si vous avez remarqué, dans un groupe, sur Discord, il y a toujours quelqu'un qui a un humour de daron, et autant j'ai rien contre, hein, les vannes de merde, ça peut me faire rire, mais si c'est... Toutes les 30 secondes, une vanne moisie, ça arrête d'être drôle au bout de la troisième. Et derrière, c'est 2 heures de souffrance. Pas forcément qu'on est dans le cadre convivial, juste entre nous sur le Discord, mais si c'est pour essayer d'offrir un programme, ah là, c'est un autre délire. Et chaque fois que je suis sur un stream où il y a le Discord en fond, je me dis qu'est-ce que je fais bien de pas mettre le Discord en même temps. C'est bon, c'est construit. Ok. On va mettre un petit peu d'alac. On peut en mettre plus que ça parce que je peux pas recharger la force vitale en même temps. Ah, il y a une autre source d'alac. Ah non, c'est que moi. C'est bien, ça la met longtemps. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et mute le Discord n'est pas une solution non plus. Ah, puis super vitesse, j'apprécie. Bon, ça, on aura tout le temps de dépap après, je pense. On pourrait toujours le tourner pour tirer sur nous, mais j'y crois moyen. Voilà, de toute façon, ça va finir. Il y a des alliés qui s'en occupent. Ça aussi, il faudrait le finir, mais c'est pas grave. Au pire, si quelqu'un le prend, on ressort et on le one-shot. Alors, si je joue la barrière et l'anticondi, voilà, c'est pour la crité sur les alliés. Je me doute que là, ils n'ont pas besoin de barrière. Et ça met pouvoir aussi. Alors, celui qui tire, il est ouf. Bonjour. Faut partir maintenant. Voilà. Coucou Hippocra, tu joues souvent de Nécrofléau, il y a une raison. Alors, j'ai très peu joué de Nécrofléau pendant très longtemps, mais en ce moment, c'est vrai que la dernière fois que j'ai joué, ça devait être il y a 3-4 streams de ça, donc relativement récemment, vu que je joue un peu tôt.
Là, c'est juste parce que j'aime beaucoup ce build. Il fait plaisir. Ah, ça a été capé. Il y a 15 secondes pendant qu'on était juste à côté. C'est dommage. Ah, ça peut TP là? Non, c'est pas du tout. Non, non. Subjugueur qui peut TP? Non. Mais je passerai sur d'autres choses. Pas aujourd'hui, mais demain je pense que je jouerai en LM. Surtout si on joue en guild. Voilà, le Tempest, il sera totalement à sa place dans une sortie de guild. Touche ça. Obstrue. Alors, si je pouvais re-remplir ma force vitale. Ok. Un Dravit, on va le mettre dedans, hein. Ça ne servira à rien, mais on va le mettre dedans. Mirage à l'espadon, intéressant. C'est rare de voir un mirage pas condi. Voilà, lui, il cherchait les problèmes. Ça touchera pas. Très bien, allez, on va aller sur le mur. Ah, je te vois le mirage. Alors là, faut faire gaffe, voilà. Parfait, parce que j'avais plus de stab. Et là, stab en nécro, forcément. Hop là. Le fléau, je le jouerai aussi lorsqu'il y aura eu la mise à jour de la prochaine extension où on peut changer, mettre n'importe quelle arme, n'importe où. Parce que je veux tester le fléau en... Pas full devin, mais un mélange de devin et de berserker avec l'espadon. Je pense que ça peut totalement le faire. J'avais testé pendant la bêta et ça le fait totalement. Donc, ça peut totalement le faire. Oui, oui, ça peut. Ok, alors là par contre, je peux mettre la laque en boucle vu que j'ai de quoi recharger la force vitale en même temps.
Merde, ça part. Ouais, faut pas abandonner les armes de siège. Voilà pourquoi il faut que ce soit quelqu'un du groupe, quelqu'un de l'escouade qui prenne les béliers. Parce que si je veux pouvoir lui mettre la crité, si je le mets là, ça va aller que sur les membres du groupe. Faut que je fasse un truc genre comme ça. Bah, et encore, même pas, la vache. Alors il veut rendre service, mais en l'occurrence, pas, ça me rend pas service. Là, la crité sur deux béliers, c'est comme si on avait deux béliers et demi. Pour faire simple. Allez, on va mettre la gomme. Alors, ils ont évidemment pas de TPU. Ils viennent de recaper. Si je mets peur, c'est pour me donner la célérité. C'est pas tant pour la barre de défiance, parce que la barre de défiance, franchement, on s'en tamponne sur lui. C'est pas un raid. Bon, je vois pas comment les bleus peuvent nous empêcher de caper là. Ont-ils essayé quand même? Je ne crois pas. Par contre, il y a un endroit qu'il faut que je vérifie. Hop là. On va vouloir couper les coins. Ah, voilà, c'est toujours ce spot là que je vérifie. Parce que je sais que quand je veux m'infiltrer pour poser des TP, c'est là que je vais. Ok. Si ça marche bien avec ce groupe, et ça a l'air de bien marcher jusqu'ici, 31 c'est déjà pas mal. Peut-être que je ferai la deuxième moitié du genre en Reaper. Ah bah il remonte. Je vais vérifier là-bas pour le principe. Mais là pour le coup, c'est pas un spot de ouf pour se cacher. Ok. Ah, voyons voir ça. Alors. On est à combien? Ah, une 15 déjà. Oui, bien vu. Les armes de siège, évidemment.
Alors. Il rattaque Guerny à nouveau. Oh oui. On a le temps de caper ça et d'y retourner, je pense. Le point négatif, c'est qu'il va falloir réparer les murs derrière. Ah, là, c'est un allié. Très bien. Voilà. Ah, tiens. Voilà, alors, la mobilité, évidemment. Ah, mais les alliés ne l'entendent pas de cette oreille. Ok, alors ça a dû ouvrir. Je vais aller voir par le mur. Ah, pas encore ouvert apparemment. Ah, ils étaient en train de construire sur la porte là. Ok, très bien. Je me demande s'il va changer de map à un moment. C'était multimap à la base. On va voir. Alors, je vais voir un peu les teams. Ah, il m'a mis. Il m'a mis dans sa team. Ok. Très bien. Ah bah, il va avoir masse à la crité, le lead. Très bien. Toujours bien d'être dans la team du lead. Ok, il a sa bouffe. Il n'a pas d'utilitaire. Alors, est-ce qu'on est assez nombreux pour caper un camp? Mystère. Peut-être. Et c'est là que l'éclaireuse vétéran révèle sa vraie nature et nous one-shot. Non, j'ai un doute. C'est pas mal de rajouter des événements improbables. Alors, j'ai un exemple tiré d'un autre jeu qui n'a pas grand chose à voir, dans la mesure où c'est un RPG aussi, mais pas du tout un MMO. C'était dans Skyrim, les rencontres improbables, justement. On peut faire tout un playthrough très long sans tous les croiser.
Salut, coucou Soazbiz. Soazbis, pardon. Par exemple, je me souviens que dans ce jeu, dans Skyrim, donc, j'avais croisé au bout de, je sais pas, 1000 heures de jeu. Genre, tu te balades la nuit tranquille et tu vois quelqu'un qui passe sur une route, c'est un cavalier spectral sans tête. Je sais pas si vous avez vu le film Sleepy Hollow, mais c'est totalement le cavalier de Sleepy Hollow. Et au bout de 1000 heures, quand t'as bien retourné le jeu et que t'as jamais croisé ce truc-là, tu vois ça, t'es là, quoi? Voilà, bah là, un petit PNJ qui de temps en temps se transforme en boss quand il passe en dessous de 50% de santé, je sais pas. Genre, tu mets une proba de 1 sur 1000. Alors, Oblivion, en l'occurrence, je pensais à Skyrim, mais des événements hein, dans le genre, doit y en avoir dans Oblivion aussi. Oblivion, c'est des Elder Scrolls que j'ai fait, c'est celui qui m'a laissé le moins de souvenirs. Morrowind m'a marqué, Skyrim aussi. Oblivion, je sais que j'ai bien aimé. Et s'ils le sortent en HD, j'aurais peut-être envie de le refaire. C'est vrai que les visages des personnages ont tellement mal vieilli. Il y avait une rumeur à un moment d'un remake d'Oblivion sous Unreal Engine 5. Alors j'y crois pas trop parce que c'est pas du tout l'engine propriétaire de Bethesda. Mais perso, moi je signe direct. Hein. Quand on voit les dingueries que certains arrivent à faire sous Unreal Engine 5. Par contre, s'ils mettent le Eldoring Fan, voilà, UE5 et online, mais j'y crois pas, pareil, j'y crois pas non plus. Oblivion est vraiment surprenant aussi parfois. Mais j'aime bien ce côté-là. Pour le coup, j'ai pas d'exemple dont je me souvienne à ce niveau-là. Que j'avais bien aimé. S'ils font le Eldoring Fan, je me souviens plus du nom en français, le gars qui veut nous suivre, qui nous adore, qui veut faire notre lessive, etc. Et où il y avait un mème où on le poussait du haut de la montagne. Si on fait un remake trop réaliste de Oblivion, ça va devenir super bizarre de le pousser du haut de la montagne. J'aimerais bien un remake Alors, c'était Ouais, le premier c'était Arena, le deuxième c'est Daggerfall. Daggerfall, il était généré de façon procédurale. Il est genre 50 fois plus grand que Skyrim. Et vu ce qu'on arrive à faire avec l'IA maintenant, mais franchement, un Daggerfall généré en partie évidemment de façon procédurale avec des PNJ alimentés par une IA, mais ça mettrait tellement une raclée à Skyrim. Ça ferait passer pour comment dire, pour un jeu qui aurait 3 générations de retard, quoi. Il y a Baldur, tu dis, c'est très fort. J'en ai entendu dire beaucoup de bien de Baldur's Gate 3. Vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Ce pourrait être un délire. J'ai fait aucun des Baldur's Gate. Baldur's Gate, pardon. C'est mieux si c'est mieux prononcé. Non, c'est pas Baladur Gate, hein. Ça c'est autre chose. Oh, vin bleu sur le Lord de BP et on n'a plus de tag ici. Ah. S'ils sont déjà sur le Lord, ça peut être compliqué. Mais il est toujours là le tag caché ou pas? Parce que. Voilà, on n'a pas réussi à faire passer tout le bus. Voilà, maintenant il y a de la file. Bon, la majorité est passée quand même. Par contre, 20 bleus sur le Lord. Voilà, on s'arrête pas. Acheter des navets aux marchands. Je le fais avec ma femme, c'est vraiment incroyable. Alors, dans quel sens exactement? Le incroyable. Parce que ça a l'air d'être déjà un bon jeu dans le sens où, de ce que j'en entendais, déjà où la plupart des défauts qu'on peut reprocher au jeu habituellement, pour le coup, ne sont pas là. C'est-à-dire les microtransactions. Le jeu qui est pas fini, qui va être sur une base de DLC. Toutes les choses reloues. Sur les jeux récents, apparemment déjà, ça c'est bon, ça y est pas. Donc ce qui, voilà, déjà est bien, évidemment. Mais voilà, je pense qu'on sera d'accord pour dire que il suffit pas pour faire un bon jeu de faire un jeu qui soit pas mauvais. Mais il paraît que c'est un jeu qui est bon en plus de pas être mauvais dans ce sens-là. Je pense qu'on
On se comprend. Je sais pas si je suis clair. Bah voilà une action de jeu comme on veut depuis le début. Ok, c'est safe là. Ouais, le bus caché doit toujours être là. Ok. J'arrive pas à commencer Guild Wars car je sais pas quoi acheter. Mais j'aime les MMO et projets. C'est-à-dire, par Guild Wars, on parle de Guild Wars 2, de celui-là, je pense. Tu sais pas quoi acheter au niveau de. Bah, pour le moment, achète rien. Tu sais quoi, fais-toi un perso, genre limite jusqu'au niveau 80, juste avec le contenu gratuit. Et après, tu peux t'acheter les extensions si tu veux. Mais t'as vraiment pas besoin d'autre chose que le contenu gratuit. Mon conseil, c'est soit si l'argent, tu te dis, je veux quand même que ce soit bien investi, je regarde ce que je dépense. À ce moment-là, fais-le en gratuit et il sera toujours temps d'acheter autre chose plus tard. Soit, si t'es pas à 50 balles près, achète direct l'intégrale et c'est réglé. Parce qu'il y a du bon dans toutes les extensions, évidemment. Mais ça peut être pas mal et en plus, ça peut être très formateur. Au niveau des builds, tout ça, de se faire le contenu vanilla de base, histoire d'y aller par palier. Sans forcément directement se dire, alors là je vais prendre un raccourci pour aller chercher une monture, ou etc. Faire les extensions et les histoires des extensions dans l'ordre, en commençant évidemment par le vanilla. Et déjà, le temps de finir l'histoire du vanilla, tu vas avoir de quoi faire. Intégrale, c'est 100 balles. Oh, ça doit être moins que ça doit être une version de luxe. 100 balles. 100 balles, ça m'étonnerait, franchement. Après, ça fait longtemps que j'ai pas regardé, j'ai peut-être une bêtise, mais je serais très surpris que ce soit 100 balles. Et je vais te dire, quand t'as des RPG racontés dans des séries ou des films, le truc de rêve qui n'existe pas vraiment. Ah, d'accord. En gros, le fantasme du RPG numérique qui serait aussi bien qu'un plateau, eh ben ils l'ont fait. Ouh, ça donne très envie, effectivement, quand c'est dit comme ça. Et moi qui me demandais quel jeu j'allais faire ensuite. Ben, ça peut être une idée que je regarde, tiens. Parce que je fais surtout du Guild Wars 2, mais je mets dans la rotation des streams d'autres jeux. Qui sont à durée limitée, on va dire. Guild Wars 2, c'est un petit peu le jeu qui est fil rouge, où il n'y a pas de date de fin prévue. Vu que je joue surtout en MCM et que c'est plus, entre guillemets, un sport qu'un jeu. Dans le sens où c'est toujours toujours différent. Le côté compétitif a fait que c'est toujours différent. Donc il n'y a pas de date de péremption. Il y a du multi ou du joueur contre joueur sur Baldur's Gate où c'est vraiment full PvE. Moi, ce qui peut m'aller très bien aussi. Hein. Les deux me vont, il n'y a pas de souci. À partir du moment où le jeu est bon, que ce soit contre des joueurs humains ou contre l'IA, c'est pas vraiment mon critère principal. L'important c'est que le gameplay soit là. Et où le côté stratégique réflexion. Après j'ai très peu joué aux jeux de plateau. Il n'y a pas de PVP mais coop jusqu'à 4, ça me plaît énormément. La coop, c'est. Je préfère voilà, quand il y a d'autres joueurs humains, je préfère que ce soit coopératif. Plutôt que la concurrence, même si ça a son charme évidemment aussi. Mais si je devais absolument choisir entre les deux, je préfère la coop. Donc là, de ce point de vue-là, ça me parle. Ok, derrière, ça va, ça va. Bah j'irai voir, hein. Tu me donnes vraiment envie d'y jouer. Tu dis jeu de plateau, c'est du combat temps réel ou tour par tour? Le tour par tour, j'ai un peu de mal par contre. La part de stratégie que j'aime bien, c'est dans le fait de faire des builds. Mais la stratégie purement en termes de placement à la XCOM, pardon, je suis moins fan.
Côté, voilà, jeu d'échecs avec des cases, je suis moins fan. Ça veut pas dire que je peux être, que je sois complètement réfractaire, mais c'est moins ma came. Ah non. Tour par tour plutôt, c'est la stratégie. Ah merde. Ah oui, là d'un coup, ça me calme tout de suite. Donc à la XCOM, j'imagine. Ouais, c'est ça que j'avais vu. Parce que j'ai entendu beaucoup de bonnes choses et pourtant j'étais pas sur le coup. Et il me semblait qu'il y avait une raison. Bah, c'était celle-là. Ah oui, c'est vrai que c'est deux en MC. Ma téléphone correcte un avantage. Voilà un jeu que je pourrais me faire un jour, XCOM. Oh, mais j'y pense pour les let's play débiles qui sont très narratifs sur mon YouTube, ça y collerait très très bien, XCOM. Dans le genre jeu de légende, mais qui te met des coups de pression. Ok, les bleus ici, est-ce qu'on va les rejoindre? 38 dans les squads, ça c'est pas mal. À mon avis, il y en a qui sont venus nous rejoindre quand on est rentré sur CBE. Oh, porte à quoi? Porte à quoi, ça fait longtemps. C'est difficile d'être discret pour rentrer là, mais quand on y arrive. Ça peut être pas mal. Et donc, si tu veux te mettre à Guild Wars 2, je t'encourage totalement à le faire. Comme tu vois, il y a tout type de contenu, hein. Là, on est à 1000 lieues du PvE chill. Mais le PvE chill, très bien aussi. Ok, le 25 de Ravit. Pas utilisé. Ouais, quand on superpose les katas, c'est un peu relou. Voilà. Les katas, les béliers. Réflexe. Ok, c'est scouté d'entrée. Ouais, très bien, ça le met sur le bon gars, la lac. Bon, P1, c'était chill. Maintenant, les problèmes commencent. J'aime beaucoup cette map. Ah oui, il y a. C'est un peu chaud. Alors, il va sur le canon d'abord, pourquoi pas. Allez, obstruer, fait pas plaisir. Ah, un truc aussi avec Baldur's Gate, c'est que la durée de vie elle est énorme. Et autant c'est dans l'absolu un avantage. Autant dans l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment, c'est plutôt un inconvénient. Ah, Qatar, d'accord. Alors, 3 côte à côte, c'est peut-être un peu risqué. Le mur, c'est du mur de base, ça va vite.
Alors, je recharge un peu la force vitale. Comment il tape là autant? Alors, je vois des dégâts qui sont pas des dégâts de chariot. Ok, lui c'est bon. Ouais, la Arcata elle va pas durer longtemps. Oh, le mur, ils le reconstruisent et ils font bien. Voilà, 13%. Ils nous ont arrêté juste à temps. Alors, que va faire le lead? Il y a plein de solutions possibles. Voilà, il va essayer de les confronter. Bien se coller contre le mur, les gars. Ok, mur reconstruit à 39%. Alors moi j'ai plus de ravit à donner. Léger au niveau de la backline. Ouais, moi au bout d'un moment je peux plus en enlever des condits. Ah non, il est vraiment décédé. On a perdu un peu trop de monde. Ok, il sort. Logique. On a encore 350 de ravit pourtant. Ouais, le mur est pas passé loin de tomber. Ils ont eu le bon réflexe de construire au bon moment. Ouais, tu dis t'es pas obligé de faire 17 000 fins non plus. Je comprends rien du tout sur le site de Twitch, j'imagine. T'as pas d'alerte, mais je t'ai follow. Non pas que je veuille me vanter, mais que tu saches. Ça marche. De toute façon, je vois après les streams ou avant les streams. J'ai des messages qui m'indiquent les personnes qui me follow. Ouais, j'ai pas d'alerte parce que non, j'ai pas envie. Ça, je trouve que ça interrompt l'action. Et j'ai pas envie de faire le côté faussement flatteur envers la personne qui a suivi en général. Parce que le gros avantage d'une alerte, c'est qu'on peut remercier la personne, évidemment, d'avoir suivi. Mais comment dire, de toute évidence, je ressens de la gratitude envers les personnes qui suivent. Et je les remercie, je te remercie aussi. Mais c'est le programme avant tout, si tu veux. Il y a un petit côté relation client, tu vois, dans l'alerte, que... qui est pas dans le délire. C'est vraiment juste le côté chill où on se prend pas la tête. Alors neutraliser bien wedge.
Ok. Qu'il fasse gaffe notre ami Nécro là. Les murs sont à combien? Ouais, 100, magnifique. 90, ok. On n'est pas beaucoup mieux. S'il veut, voilà. Putain, mais pourquoi... Ah bah quand même, on a failli attendre. Ouh, si le lit s'en va, faut pas que je reste là. Ouais, je pense que ça valait le coup de claquer la stab. Est-ce qu'il y a une alerte quelque part? Ça peut être une alerte BP. Ah oui. SM Inner Outer North. Voilà, Inner 85% plus 20. Ça marche. Donc porte intérieure. 85% le temps qu'on arrive, ça va être autre chose. Faut pas voir du négatif. Bah, je vois du positif. Le contenu n'est pas interrompu. Voilà, mais je te remercie, hein, évidemment. T'as vu que j'aime les contenus. Bah, ça fait plaisir. Et si, pour Guild Wars 2, évidemment, t'as des questions sur comment... Ah oui, j'ai... Alors déjà, si t'as des questions, j'ai plein de tutos sur mon YouTube, hein. C'est le même nom, c'est la série. Il y a tuto. Hier c'était tuto faire un build. Il y a un tuto pour les donjons, tuto pour les fractales. Il y a. Ouh, ça va être. Il y en a un qui va sortir après-demain, je crois. Ou demain, demain à 16h. C'est tuto sur l'équipement et garde-robe. Il y a plein de builds aussi, plein de trucs. Donc déjà ça peut répondre à pas mal de questions, mais si t'as d'autres questions sur d'autres sujets, n'hésite pas. Bon bah ça c'est vite réglé. Hop là, impec. Ah, l'allié. Et on va remettre de la bouffe. Ok, et on va également faire la petite pause entre guillemets de mi-stream. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je passe en Reaper après? Parce que Augure, j'aurais pas particulièrement de build de bus, hein, c'est pas fait pour. Vanilla, j'ai envie de dire encore moins, c'est dire. Mon bus, c'est Fléau ou Reaper. Non, pas guild, héros. Pour ceux qui veulent voir ce que j'utilise. Lui encore un build évidemment qui est sur mon YouTube dans, sous l'appellation Fléau Céleste Alac. ALAC comme Alacrité. PVE et MCM. Alors je préviens le lead viteuf. Alors je suis plus dans cette team, très bien. Je suis là. Ouh la vache, dans une team où il y a zéro support. Oh. Ah ouais, donc il faut que je garde un truc un peu défensif quoi. Escouade. Ah. Parce qu'en Reaper. On va voir.
Alors, des choses qui marchent très bien. Mais le truc, c'est que normalement, un micro Reaper en bus, il faut qu'il ait quand même du debuff. Genre ça et ça. Là, c'est pas forcément le cas. J'en ai un là qui marche en MCM, mais qui est plutôt PvE à la base, donc ce serait pas top top. Là, c'est du vanilla. Mais pour le coup, c'est du costaud, lui. Pour tenir tout seul, il y a de l'augure là. Ah. Sinon, je peux carrément changer de profession. Est-ce que vous avez envie de voir un truc en particulier? Quelque chose qui se joue en bus? Ah, mais attendez. Non, il y a 24 de fil. Pardon, j'ai rien dit. Je ne peux pas reroll, il y a 24 de fil. Alors, on va regarder vite fait s'il y a moyen. Ah, ça, c'est vraiment une compétence clé. Ouais, je suis là, j'ai zéro support. Hein. Pas me permettre de prendre un truc full DPS. Hein. Voyons voir, voyons voir. Allez, on va essayer un truc un peu différent. Lui, non. Lui, oui. Hop. Voilà, ça devrait le faire. Touk, touk. Bon, on a dû enlever du dégât, malheureusement, mais c'est pas grave. On reprend dans quelques minutes, vite fait. On fera pas que j'oublie de le remodifier. L'augure, il est très bien, mais pour le roaming, quoi. Faudrait modifier tout le build. Donc non. Ah, d'ailleurs, pendant que j'y pense, ça, on va le remettre là. Ah, faudrait changer les armes aussi, donc non. Ok, bon. Alors, l'espadon, l'avantage, c'est qu'il y a ça. Depuis tout à l'heure, j'essaye d'allumer un peu les gars qui sont sur les remparts des endroits qu'on attaque. Avec ça, on devrait pouvoir en graber un petit peu. Par contre, on dit au revoir à l'alacrité. Si je voulais vraiment jouer un Reaper un peu plus métabus, il faudrait normalement avoir H Focus. Mais on va pas tout refaire, tout changer. Donc pour le moment, ce sera bien comme ça. Un peu de stab sur l'élite et ce sera pas de trop. Franchement. Ah, un peu. Ça dure 6 secondes, ça recharge en 48, hein, donc un peu, ouais. Ok, je bois une gorgée. Je reviens d'ici. Allez, environ 17 secondes 30. Et on reprend. Ça fait exactement 17 secondes 30, je ne sais pas, mais on va dire que oui. C'est hyper. J'aimerais bien pouvoir jouer le Reaper entre guillemets méta. Mais s'il n'y a pas de support, c'est pas possible. Les builds de méta sont faits pour fonctionner entre eux, évidemment. Par exemple, si vous jouez gardien HFB, donc méta support.
Modifiez-le si vous êtes le seul support de la team. Sinon, l'anticondi va être ultra galère, par exemple. Voilà, donc je vais surveiller ma position, voir si ça change un peu quelque chose. Le berserker, lui, il va avoir zéro support. Ok, il s'est TP le lead. Ah bah, il s'est TP, c'est. Voilà, c'est contest. L'élème, le tissor, on aura sans doute un petit peu. Par contre, le tissor, évidemment, quand on est en élème et qu'on se met en tissor, c'est qu'on part pas sur du support. Le chrono, je suis curieux de voir en quoi il le joue. Le chrono méta, il est un peu. Enfin, il n'a pas des stats offensives, mais on ne peut pas dire qu'il soit support non plus. C'est que c'est élite. Ah ouais, il... Oh! Un chrono qui joue pas le puits en élite. Ah ouais, il joue pas du tout méta. Hein. Donc non. Ah, lui peut-être. J'ai un doute. Ah, il a pas de bouffe, je peux pas voir en quoi il est. Est-ce qu'on repop de la bouffe? Ah bah, parfait. Hop. Ah, j'ai été bougé. Ah bah, Darkonic, je te vois. Alors, on va attendre qu'il ait fini de bouger tout le monde. Ah, je suis passé avec le lead. Ah bah là, j'ai du support. Là, je peux passer. Ah, j'en ai marre de changer de build toutes les 2 secondes. Alors, il avance. Pour le moment, on va mettre ça. C'est pas l'idéal. On va mettre ça quand même. Voilà, c'est un petit peu le truc, c'est que je veux pas changer de build toutes les 2 secondes non plus dès que je change d'équipe. De sous-groupe, on va dire. Là, c'est encore dégâts par altération, on va changer ça. Le sac qui est plein pour changer. Ouh, je peux rien déposer. Allez, ciao. 25 rouges apparemment, où ça? On ne sait pas. Ah si, ça a été pris il y a 10 secondes, ok. Alors attention, là on est derrière la plante, quand ça va avancer, voilà, pas se retrouver coincé derrière bêtement. Voilà, ça va se TP. Faut se TP, jeune homme. Trop tard. Bon, bah lui, 4 minutes 30. On reviendra. Enfin, on reviendra. Non, un roamer reviendra sans doute. Justicier, est-ce qu'il joue support? Parce que là, j'ai potentiellement 3 supports dans la team. Putain, l'élème est pas là. Enfin, il est pas là, il doit être en queue de peloton, donc je peux pas le voir. Lui, c'est le lead. Ah, lui, il est là. Il a quoi comme bouffe? Ah, un puissance férocité. Donc, non, le justicier, lui, il joue en DPS. Intéressant. Très bien en DPS, le justicier en bus. Et très bien, on fout le support aussi. C'est vraiment une spé intéressante. Alors en même temps, c'est une spé avec une double barre de compétences. Une DPS et une support. Donc bah oui, il y a des versions DPS et des versions support. Ok.
Let's go. Voyons voir. Ok. C'est quoi, je vais repasser sur la version de départ. Là, pour le coup, il est pas du tout méta. Mais il a du punch. Beaucoup plus de Reaper que de Fléau maintenant. Ah, le Darkonic, t'as une bonne team aussi. Un petit HFB druide. Pas mal en backline. Là, les teams sont bien équilibrées. La 5 moins. Mais le reste est pas mal. Bon, et la 9 aussi, mais la 9 elle est pas complète. Ah, bien la désactivation dessus. Ok. Je sais pas s'il attendait que ça rentre. Non, ils sont pas nombreux. Et il n'y a plus de timer, pas de raison de pas aller au Lord. Très bien. Ah, il est parti. Il est même parti pour un monde meilleur, lui. Enfin, un autre monde, on ne sait jamais. Ah bien, ouais-je. Ah. Alors, on est totalement grillé pour ce qui est de nos intentions, mais c'est pas grave. Oh, la tentative de grab était pas mal, d'ailleurs. Baliste supérieure, très bien. Voilà, au moins c'est un petit avertissement. Ah mais lui, il faut se le faire là-bas. Ah, ça touche pas. Bah, les tirs au mortier sont très très bien. Hein. Ah.
Mur extérieur de brume-pierre. Ouvert. Ça peut être problématique. Ah, il est en contrebas. Ouf, faut qu'il sache ce qu'il fait là, le lead. BPP2, 15. Ah, il va à BP. Il a raison. C'est dommage. Quand on a BP, se lancer dans ces opérations-là, c'est toujours à double tranchant. Allons voir. Surprenant. Ouais, on bouge à 38 pour en arrêter 15, mais bon. Porte intérieure 2 tiers. Non, on va redescendre pour pas se montrer. Ok, je vais pas y aller. J'ai l'impression qu'ils étaient un petit peu plus de 15. Pas beaucoup plus, mais un peu plus quand même. Ah, ça commence à être limite au niveau des Reddit. Ah, 0 sur 800. Oh, la porte qui est reconstruite à peine à la moitié. On a 322 dans les squads par contre. Ouais, bah les bleus ils s'en tirent bien. Ils peuvent dire merci aux rouges. Alors, s'il n'est pas trop être devant le lead. Pas convaincu, là le plan. Le plan mieux, non, voilà, il a été pété instant. Là aussi, là-bas, je peux pas le faire passer par-dessus le bord parce qu'il y a une grille.
Ok, on reste l'allié, on essaye, très bien. Quel est son projet? Ouais, le camp, ça a toujours ça de prix. Voilà, on a besoin de ravit, on est plus qu'à 166 alors qu'on est 39. Et on va peut-être arrêter de vider sur Bastère. C'est toujours ça de prix chez eux. Oh, oui, non. Ok. Ah, il s'est fait vider instant le ravit. Hop là, pardon. Alors, moi j'ai pas de ravit donc ça me gêne pas la zone. Super bien joué la zone là au trébuchet. Le gars, dès qu'il nous a vu rentrer dans le camp, il a dû se dire oh, je vais leur enlever les ravits quand ils sortent. Bon, ça reste rentable pour nous, mais quand même, c'est pas mal. À nouveau là, hein, la zone en tir à vide qui est pas mal placée du tout. Bien joué. Je sais que BP est pas contest, BP est contest. Mais on a du monde qui scout. Ok, c'est déjà ça. Voilà, ça c'est bon. Tchouk. Non, là faut sortir de ça. C'est quoi hein? Ah, il est dans le mur, il est coincé. Non, il est de l'autre côté. Okay. Original, son pote. Le grab lui. Ah, il s'en tire bien. C'est pas mon coup qu'il a évité, mais du coup il a évité le mien aussi.
Ah bah, les rouges ont le même que le bleu tout à l'heure. Qui allume à l'élite en ingé, au mortier. Par contre, c'est super risqué ce qu'il fait là quand même. Alors, on se fait tirer dessus à la cata et de partout, mais voilà, au bout d'un moment, il y a une décision à prendre. Ça aurait été trop risqué de raser les potes là, malheureusement. Ouh, merci la résistance, je sais pas qui me l'a mise, mais merci. Putain, je suis allé. Ah merde, je suis allé trop bas. Ouf. Alors, celui qui a mis la bulle là, il l'a un peu gâché. Ça, c'est moi qui l'ai gâché. Est-ce que le but c'était de sortir des chariots? Peut-être. Super gaffe là. Dit-il en ne faisant pas particulièrement gaffe. Immunité. Je l'avais pas vu ça stab. Ouh, open. Les bleus ont ouvert. Voilà qui change tout. Ouais, je comprends que les rouges sont un petit peu en panique là. Ils sont attaqués par les deux bus de la map en même temps. Ils vont arrêter de tirer pour pas qu'on rentre. Non, ils arrêtent pas de tirer. 1%. Non. Ok, dernier boulet qui arrive. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Alors. C'est. Ça va, c'est épique comme fight là. Ça va dépendre de ce que font les bleus aussi, évidemment. Ça, peu importe. Les boucliers, c'est pas grave.
Le Lord, merci. Oh, il est sorti. Ça, c'est dangereux parce que on peut se faire repousser sur le côté. Voilà, faudrait le faire monter. Très bien. Surveille du coin de l'œil ce que font les rouges et les bleus. Je veux dire les verts. Non, les verts, c'est nous. Oh, il est chaud bouillant là. C'est un petit peu un risque. Ok, on a encore assez d'alliés. Parfait. Un des dangers, ça aurait été que absolument tout le monde le suive. Voilà, quand je parlais tout à l'heure de ici, c'est dangereux. Voilà, où je disais, on peut facilement se faire attraper. Voilà. Je crois la preuve en image. Ce que j'allais dire, c'est le gros risque, ça aurait été si tout le monde avait suivi l'idée et qu'il n'y avait plus personne au Lord, le Lord serait remonté à 100%. Oh, ça va reste des poteaux là non? C'est un scandale si ça reste pas. Merci. Ouais, je vous en parlais, hein. Faites super gaffe quand vous êtes là. Je les ai pas vus les mecs en bas. Simplement. Parce que évidemment, autant vous dire quand ils sont en train de perdre le fort et qu'ils peuvent pas faire grand chose. Ah, s'ils peuvent attraper quelqu'un et se venger dessus, ils s'en privent pas. Je ne les blâme pas, on fait la même chose. Ok, bah du côté des bleus maintenant. Salut Nexen! Salut à toi! Comme tu vois, un petit peu de Reaper pour changer. Ouais, demain ce sera LM. J'aime bien cet espadon. Il va pas avec grand chose, mais là il va bien. La forme est assez particulière. On dirait un... Comment dire? J'ai des bouches bouteilles en tête. Un décapsuleur, voilà. Sans déconner, est-ce que ça ferait pas un super décapsuleur? Tu coinces ta canette là et hop là. Bon après c'est une grosse grosse bouteille à décapsuler. Ah les capsules des barils le truc. Ouais pas de capsule sur les barils mais tant pis. Vous avez l'image. Ok, toujours là, très bien. Il y a tellement de builds différents à jouer en revenant aussi. Je suis souvent tenté de jouer en revenant. Parfois j'ai envie de jouer Renégat, parfois j'ai envie de jouer Justicier, parfois j'ai envie de jouer Full Support en Justicier.
Enfin, j'ai envie de jouer héros. Parfois, j'ai envie de faire du roaming. Dans tous les cas, je peux le faire en revenant. C'est pour ça que c'est un de ceux que je joue le plus. Très bon choix, vraiment le revenant, pour ceux qui commencent. Oh, il y a un petit cœur sur moi, c'est gentil. Enfin, c'est gentil, je sais absolument pas quelle est la signification, mais il y a un petit cœur sur moi, moi je le prends bien. Hop là, j'ai caché. Hop là. On va voir par là. Ah, il est vite parti les cœurs. Golem de siège Oméga. On se le fait pas? Allez, pour le principe. Voilà. Ouais, il fait de mal à personne là où il est le golem. Enfin, comment dire, il est un peu sur le chemin de BP hein, quand même. Ça aurait pas été complètement hors sujet de prendre les 5 secondes pour le dépop. Hein. Celui-là, il y a totalement des joueurs qui peuvent passer devant et se dire, tiens, golem. Je vois BP. Bah vas-y, je monte dedans, je commence à attaquer un truc. Comme on dit, l'occasion qui fait le larron. Non, lui c'est bon. Le canon, ok. C'est marrant, il a ciblé le canon, mais... Non. Ok, il tente un truc costaud là. Est-ce qu'on est scouté? J'ai même pas. Ah si, voilà quand même. Ça aurait été inouï d'être là et de pas être scouté. Hein. Là, on est totalement en mode on arrive! Les 4 sont prises, il en manque une. Non, c'est bon. Ok, un mortier là-haut. On remet ça. C'est marrant, je sais pas si vous avez vu la vachette qui tombait, la vachette empoisonnée. Elle a pas fait de zone. Pourtant, elle est bien atterrie. Elle a bien atterri au sol, ici. Voilà, sur le trèble là-bas. Ok, là, il tire pas de vachette, il tire normal. Là, il s'est raté, tant mieux. Ça va être compliqué. Hein. On se lance dans un truc là. Ah oui d'accord. 3 béliers déjà des pop. Quatrième à 50%. Oui bon on peut partir cher ami là. C'est plus la peine. Il nous reste 182 de ravide. Alors, je suis un petit peu obligé de bouger. Ça me paraît pas réaliste comme attente de sa part là. Alors après, il y a peut-être une autre idée en tête. Du genre, on va quand même leur coûter le plus de ravite possible, par exemple. Pour revenir plus tard. Ça peut être une idée. Ouh, il y a beaucoup de signaux là. Ce sont des les rouges ou les bleus là? 20 bleus, P1, Nord, BP. Bah oui, évidemment, ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on se prend, on s'en prend un fort à double mur. Du moins qu'on part dans une opération longue. Bah derrière c'est open bar sur BP pour les autres. Je touche pas avec ça je pense. Ah si. Non il repose là. Ah les bleus ont décalé Gardog. Parfait.
Gardox est là. On a 112 de ravite dans la team. Et si on P1 face à des murs fortifiés à 100%, on galère à construire, on sait que c'est pas la peine. Oh, il s'est bien RTP. Allez, voilà, faut savoir changer d'avis. Alors, il est parti. Ok. J'aimerais savoir où est passé le golem qui était là. Vu qu'il y a du passage, il s'est peut-être tout simplement fait des pops, on ne sait pas. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure quand j'ai pris l'espadon, au moins on va pouvoir s'amuser un petit peu avec le grab. Ah, il fait bien plaisir, en plus il est difficile à voir venir lui. Il peut aller chercher assez loin à l'intérieur des murs. Je pense qu'en numéro 1 ce serait le focus dans voûte, le meilleur grab. Pour quand on est en bas de mur. Et ça serait en deuxième. Après, il a été mis à jour et sa portée a été raccourcie, le focus dans voûte. Donc, je sais pas. Peut-être moins bien. Alors, c'est forcément moins bien si la portée est plus courte. Mais dans quelle mesure? Difficile à dire. Ouais, il a esquivé. Ça a rien changé. Ok. Alors, il y en a un qui dit brume-pierre et l'autre qui répond où ça et combien. Voilà. Porte sud extérieure. Ils sont 25. Mais apparemment, ils n'ont pas encore posé. Ah. Donc, par là, je pense, hein, le spot classique pour les bleus. Alors, le truc, c'est qu'on a plus que 126. Et du ravit, il y en a peut-être sur ceux qui sont pas au groupe, sur ceux qui scoutent. Il y en a qui sont là, il y en a là, il y en a là. 114. Pas sûr que ça, on arrive à le construire. Alors, 126, 1, 13. Allez, allez, on peut. Allez les gars. Voilà. Ouh, ça s'est arrêté à 99% à un moment, ça aurait été dommage. Ça s'arrête à 99. Ce serait pas du jamais vu, hein, c'est déjà arrivé. Le coup de il manque 1% et sur la barre on voit même pas de pixels qui manquent. Mais non, 99 n'est pas 100. C'est tout ou rien. Ouais, il a vite disparu lui. Ouh, j'aurais dû me rapprocher un peu plus. J'aime bien son arc, je sais pas ce que c'est. Pas la première fois que je le vois, qui tire des flèches, on dirait des espèces de traits lumineux. Plutôt stylé. Kata.
Ouh, le lead s'est barré parce que il y a du monde sur BP. Ok. Tag open de l'Alliance francophone sur la map bleue. Ah, Elric qui ouvre, très bien. Ça va pas changer grand chose pour moi. On va rester avec notre cher ami là. Bus de 40 sur CBE, c'est une bonne situation. C'est une bonne situation ça, bus de 40 sur CBE. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont la ref. Oui, ils sont nombreux là quand même. Je crois qu'il y a eu un petit côté effet de surprise qui nous a bien servi. Pas dit que ce soit aussi simple la prochaine fois. Ils n'avaient pas l'air d'être 40, mais ils étaient une bonne trentaine quand même. Est-ce qu'il veut prendre la fontaine et sortir par là pour voir? Ce serait pas mal ça. Ouais, non, c'est bon. Par contre, elle dure longtemps, la fufu. C'est pour ça que les mecs qui sont à dos de Radia là, ils sont en train de pourrir la strat fufu. Bon, en l'occurrence, elle a servi à rien, mais. Ne faites pas ça, vous voyez un bus qui se met fufu. Ne le suivez pas si vous êtes visible. Ok. C'est bien calme aujourd'hui le chat. Ok, voyons voir. Par là. Ah, il est revenu pour le ravit peut-être. Oula, d'un coup 737 de ravit. Ah, c'est sûr, c'est pas la même histoire là. Ah, peut-être pour réparer BP. On n'a pas de ravit à BP, c'est vrai que c'est assez abîmé. Mais c'est peut-être pas ça. Oh oui, il y a du rouge là-bas. Pas loin d'être sur le chemin. Ça t'est pris il y a combien de temps? 10 secondes. Ah, il voulait défendre et il voit que c'est perdu peut-être. Je ne sais pas. C'est un mystère. Voilà, il y a toujours une croix ici. Ouais, on paraît. Parfait, on reprend sur la fufu. Pied à terre, les mecs. Pied à terre. Pied à terre, poteau. Oh, il prend pas la fufu. Bah, moi je vais la prendre. Ce qui va servir à rien. Allez, on rattrape. Ouh, il traverse direct. Ok, voilà du bus bleu. On sent les deux groupes qui piaffent d'impatience de se clasher.
Toujours frustrant quand les grades passent pas. Bon bah on leur a mis un impact qui a réglé la question. Voilà, lui c'est bon. Ouh non, faut que je fasse gaffe. Là je disais personne en particulier, c'était pour marquer le territoire derrière qui campe pas derrière. Oh bien joué le blocage. Suffira pas mais c'était bien joué. Ah, et pas le stab. Pourtant. Ah oui c'est bon. Bien ça joue pas mal là. Ah oui c'est bon. Dangereux pour eux aussi. Ah, là c'est bon, là c'est bon. Ah bah oui, c'est un LM forcément. C'était un petit peu osé de sortir en étant aussi peu nombreux. Je sais pas s'ils ont fait du kill, je suis pas sûr. Ouais, il y a genre un gars qui est pas sur nous là, deux qui sont pas dans les squads. Ouh, il a tenté de neutraliser là. Alors, je ne sais pas si vous le savez, donc je vous le dis. Pas la première fois que je le dis dans le stream, mais sait-on jamais. Quand il y a une bulle sur des armes de siège, que soit la bulle de l'arme de siège en elle-même, ou une bulle mise par un gardien, ou peu importe. La bulle en elle-même, c'est pas juste une surface, c'est un volume. C'est-à-dire que si vous rentrez à l'intérieur de la bulle en vous disant « Bah voilà, je suis à l'intérieur, maintenant je peux neutraliser avec mon projectile », non, ça ne marche pas. Ce qui est totalement contre-intuitif. Ce qui peut être très frustrant le jour où on s'en rend compte. Évidemment, le côté contre-intuitif, ça fait que... un petit peu injuste, hein. On prend un gros risque. Ouh, non, là, c'est moi qui prends un gros risque. Attention, les gars. On prend un gros risque pour rentrer dans la bulle. Là, non, n'a rien changé.
Ah bien ouais-je. Pourtant, est-ce que c'est que j'ai mis la stab trop tard? C'est sans doute que je l'ai mise trop tard. C'était lui surtout que je visais, mais il a été immobilisé donc très bien. Alors, eux ils ont été graves, c'est bien, mais ils ont été graves juste devant leur porte. C'était compliqué, pas impossible, mais vraiment compliqué de les choper. Alors, on se fait aligner par la patrouille derrière. Ouais, on va claquer la stab là, parce que je vais pas prendre le risque de me faire graver et séparer du groupe. Sinon, c'est la fin. C'est dommage de la claquer pour une erreur de placement. Mais c'est toujours mieux que de se faire démonter. Ah, ça pas suffit non plus. On est obligé de passer sur le bar de linceul parce que gros coup de pression. Lui c'est bon. Oh, ils essayent de monter. Ah, est-ce qu'ils vont y arriver? Je sais pas. Non, moi faut que je sorte, obligé. J'ai été coupé de mon groupe, il y avait plus de passage safe pour passer. C'est dommage. Parce que du coup, bah... Ça va être fermé là. Ouais, totalement. Ah, dommage. Alors il y a un envoi dans le groupe, mais je pense pas qu'il soit du genre à poser des TP. BP info point d'interrogation. Oh, mais il y a un certain nombre d'alliés qui se sont fait des pop là quand même. Je vais prendre la sortie à côté. Hein. Non, pas le sanglier des forêts. Ouais, la double zone d'aveuglement, c'était pas forcément utile. Ok. Est-ce qu'il est sorti? Oui, il est sur le côté. Très bien, on va pouvoir le rejoindre plus facilement. Ouh, il y a les bleus qui font du kill. Et pas qu'un peu. Ça enchaîne. Et le lead est tombé. Bon bah il va y respawn. Hein. On sait où ça va ensuite. Ça va là. Ok. Alors. Swing, swing, swing. Ah là, vivement le scourge avec l'espadon, franchement. C'est une zone de debuff, ça. Très très bonne compétence, ça. Déjà une zone qui pulse de l'aveuglement. Oui, totalement. Mais qui debuff à chaque seconde aussi. Du coup, si on cumule les deux, celle-là et celle-là, que je viens de rajouter, bah ça peut être correct déjà au niveau des buffs. En Reaper. Évidemment, il y a plein de paires qui vont avec, que je n'ai pas sélectionné là. Je crois qu'il y en a deux différents qui débuffent lorsqu'on passe sur le linceul. Donc si en plus on rajoute ça, ça veut dire qu'on peut faire une zone de débuff de folie. Base de ça, puis ça,
là derrière et on passe là-dessus. Donc là ça va être 4, là ça va être 5, 6, 7, 8, 9. En l'espace de 5 secondes. Ce qui est pas mal, pas mal du tout. Bon là par contre moi je vais remettre ceci. Il fait un petit peu de dégâts quand même, lui. Ce que j'aime bien, c'est que ça, c'est une zone qui convertit les avantages en altération. C'est pas juste ça les enlève, ça les convertit en altération. Et il y a beaucoup de compétences qui ont été mises à jour relativement récemment, qui fonctionnaient sur le principe de convertir des avantages en altération, qui maintenant, c'est juste les supprimer. Mais celui-là, ils n'y ont pas touché. Et très bien. J'aime beaucoup le principe du converti en altération. Ok. BP conteste, mais comme d'hab. Crypte embrasée, 25 rouges. Crypte, c'est pas sur notre map. Hein. Et on a un tag multimap, donc c'est pour lui. Ils sont écartés d'un coup là. Bien joué les lèmes. Ah, il a eu un réflexe, l'élème, il s'est fait grab direct, boum. Là, comment elle s'appelle cette compétence? Je l'utilise tout le temps en plus. J'ai envie de dire stabilité terrestre, c'est pas ça du tout. Un mini-sort qui met stabilité, protection, barrière et dissipe l'étourdissement. Très très sympa comme compétence. Ok, bus bleu qui revient. Ouh, il y en a qui sont fait serrer derrière. Ah, j'ai l'impression qu'il veut fight. J'ai pas d'explosion pour aider à pouvoir. Il est parti à une vitesse le lead. Ouais, bah oui, mais rien que ça, c'est ça fait que c'est fini quoi. On s'est mis dans une posture de victime là dès le départ. Va falloir rétablir ça direct. Oh, le lead est reparti en plein milieu. Ah, ça va, ça ne marche pas. Ah, ils ont poussé, 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 et voilà quoi. Alors lui, il arrête. Ah, j'ai l'impression que notre lead arrête. Ah bah du coup... Est-ce qu'on peut prendre notre TPU là? Il va être un peu tard, il va disparaître pendant que je me TP, pendant le chargement je pense. Ce qui va me re-TP à la base. Je le sens pas.
Allez, non, ça va être trop long à charger malheureusement. Je vais pas pouvoir prendre le TPU. Voilà, ça m'a remis là. Ouh, c'était deux, on va les voir vite fait. Alors, le chef d'escouade est parti. Je lui dis merci. Et je vais voir ce qui se passe ici. Ce qui a l'air assez problématique. S'il y a eu un TPU. Ah, s'il y a eu un TP d'urgence, c'est qu'il y a eu urgence. Je pense que jusqu'ici, on peut tous être d'accord. Alors, quoique, c'est pas forcément le cas. Parfois, il y a des TPU qui sont claqués alors que. Non, mais c'est bon. Non. Alors, quelqu'un qui dit qu'il n'y a plus de tag map rouge. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Ça pourrait vouloir dire que la défense a été balayée ici. Du coup, il a fait bon bah. Je lâche à faire. Parce que, ouais, y a pas de tag là. Par contre. Non, mais c'est bon au niveau du Lord là. Qu'est-ce qui se passe? Ça a été repoussé ou qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y en a un qui dit ils sont au nord. Ça, on le refresh. On va les voir au nord du coup. Oula, oui, ils sont au nord. C'est un petit peu trop nombreux pour que je m'avance. Ou quoique. Attends. Ah, trop loin. Ouh, j'ai failli faire une bêtise. Bon, c'est pas en leur mettant d'eau de saignement que je vais faire tomber qui que ce soit. Non, plus de stab, on va pas y aller. Lui, voilà, il faisait le malin, le subjugueur. Il cherchait ses limites, il les a trouvées. Je suis de mauvais côté. Ah, c'est 900, c'est pas 1002, ça, ouais. Va tomber, voilà. Ah, bah voilà. Alors attention si ça revient, c'est les problèmes. Ah bah il s'est fait grab en même temps. Fait doublement grab. Il était là, il avait pas de stab. C'était la cible à grab. Non, c'était une élue. Pas d'arme de siège, pas d'arme de siège. Oh, Elric. Le lead. Ah ben là, on va les repousser jusqu'au bout du monde, non? Bien sûr.
pas ouf sur le placement ce que j'ai fait. Sur le ciblage, on peut dire, qui a entraîné le placement. Par contre, la rune de vitesse, qu'est-ce qu'elle fait plaisir. Même avec givre, je trace. Ok. Ah, lui c'est bon. Lui aussi. Ouais. Bon bah voilà, je crois que là on est nombreux. Ouh, mais c'est qu'il y a du monde là aussi qui cherche les problèmes. Pas compliqué à jouer le Reaper, ça fait plaisir. Juste à essayer de faire gaffe au placement. Ok. Non, force vitale, c'est bon. Je voudrais le lead du coin de l'œil. Ah comment ça, j'ai touché personne, c'est une honte. Alors ce qui est une honte, c'est l'erreur que je viens de faire aussi, l'erreur de ciblage. Salut Padawan, coucou. Salut à toi. Ah, tu arrives plutôt vers la fin du stream. Pas tarder. Arrêtez. Mais allez, allez. Hop là. T'es fléau Reaper à peu près moite-moite aujourd'hui. Viens-le à l'attaque. Oh Limo, t'es bien wesh, elle m'a coupé dans mon élan mais alors tellement. Ah, faut pas rester là si le lit se replie. Ah on est totalement en train de se couper en deux. Ah on fait plus que se couper en deux, il y a limite moins de monde sur le lit que là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait ce Moa? Il avait rien fait à personne! Laissez le Moa cramoisi tranquille! Alors, je suis un petit peu coincé, je suis un peu obligé de rester avec eux. Oh, c'est pas mal ça! Là, on les coupe en deux! Bien lui. Ouais, c'était un peu en panique. C'est pas bien placé. Deux fois que je le cible et que mon coup passe dans le vent parce qu'un allié le grab en même temps. Pourtant si un allié le grab, très bien. Il est lent le 3 là, malheureusement. Beaucoup trop loin, je sais pas ce que j'espérais.
La pensée magique, ça ne marche pas dans ce jeu. Ok. Alors là, s'il y en a un sur le pont qui se fait grab, ça peut être un gros problème. La fac pourrait être intéressante, mais j'ai l'impression que si on avance, ils vont s'éparpiller. Ouh, ça avance là. Un peu envie de descendre. Ouh, le lead, faut faire quelque chose parce qu'on est coupé en deux et on a des alliés qui se font des pop. Voilà, go. Ouais, j'ai pris des risques, mais ça valait la peine. Oh, le lit est tombé. Il est tombé, tombé. Non, c'est bon. Il passe par là. Moi, je reste sur là-dessus pour le moment. Non, il a essayé d'avancer. C'est mal passé. Donc là, c'est la fin. Est-ce qu'il y a moyen de survivre là? Ça va être compliqué, hein. Ouais, voilà, allez. Je cherche même pas. On se fait reboot, c'est pas grave. Ah, et toutes les issues étaient bloquées là. Malheureusement. Bon, et ben, mes chers amis, là c'était la dernière action de jeu. Demain, c'est. Ce sera en LM, je pense. Parce que, voilà, sortie de guild. Voilà, ceux qui sont de la guild qui m'entendent. Je pense vers 15h. C'est toujours pareil, hein, c'est samedi dimanche, c'est début à 15h plus ou moins 1h. Mais le dimanche ça a plus tendance à être 15h et le samedi 14. Dans les faits. Ok, voyons voir qui sont là parmi nos chers amis. Si vous avez des noms à suggérer. Voyons voir si vous avez donc des noms à suggérer de personnes qui font du Guild Wars 2 qui sont francophones et dans l'idéal qui ferait du MCM. Mais là ce n'est pas le cas. Alors bah Fimbulmir, tiens bah on en parlait tout à l'heure, il est sur Baldur's Gate 3. Vilsur, elle est sur Crime O'Clock, je connais pas. Ah si, ça me dit quelque chose, j'ai vu une sponsor. Eh bah dis donc. Ah, il y a un Kolskardi. Parfait. Je pense que vous le connaissez, hein, si vous connaissez les streamers qui font du Guild Wars 2 francophone. Un Kolskardi, ça doit vous dire quelque chose. Ah, c'est en un seul mot. Okay. Voilà. Bon, bah, il y a eu de l'action. Il y a eu du bus aujourd'hui. On peut dire. Ouh! Ça serait bien de se reposer un petit peu. Donc, encore une fois les gars, merci d'avoir été là. Les gars et les filles, hein. Les filles et les gars plutôt. Merci d'avoir été là. Et bah du coup, je vous dis a priori à demain. Ciao.